jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Quand on m'a dit, approchons-nous de ta maison dans la cité du Dieu vivant. Je nous invite, car son festin, jour d'allégresse, séjour de joie. Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse Vierge, renonçant à elle-même et portant sa croix, elle a imité le Seigneur, époux des Vierges et prince des martyrs. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle en ce 5 février le martyre de Sainte Agathe, vierge et martyre. Sainte Agathe refusa d'épouser par force le proconsul de la Sicile, Quintien. Celui-ci ordonna que ses seins soient coupés. Elle mourut martyre suite à ses blessures en 251. Nous allons prier pour nous-mêmes, les chrétiens, afin que notre oui soit oui, notre non soit non. Nous disons oui à Dieu et non à tout ce qui n'est pas Dieu. Nous allons prier pour offrir au Seigneur, pour présenter au Seigneur le projet des jeunes Carissa, Franck, Achille, Martial, Nestor, tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous allons lui offrir Yacine Yedmou, avec sa famille et ses projets, Marie-Thérèse, Mathieu, avec son entreprise. Nous allons prier aussi pour William Kadji et pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que la bienheureuse Agathe, vierge et martyre, implore pour nous ton pardon. Elle qui sut toujours te plaire par le courage de son martyre et le mérite de sa chasteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 8. Versets 1 à 7, puis 9 à 13. En ce jour-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille des fils d'Israël pour aller chercher l'arche de l'Alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion.
Tous les hommes d'Israël se rassemblaient auprès du roi Salomon au septième mois durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargeaient de l'arche. Ils emportaient l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche offrit en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportaient l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints sous les ailes du Kérubim. Ceux-ci en effet étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche de ses bas. Dans l'arche, il n'y avait rien sinon les deux tables de prière que Moïse y avait placées au mont Horeb quand le Seigneur avait conclu l'alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare, demeurez dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Voici quand nous l'annonce à Ephrata, nous l'avons trouvé près de Yaga. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Il sortit de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait sa présence. Et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que
la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons la joie de célébrer le martyre de Sainte Agathe. Et un martyr, c'est une personne qui a choisi de verser son sang au nom de sa foi. Au nom de sa foi. Parce qu'on l'a forcé à faire ce qui ne correspond pas à sa foi, elle a refusé. Elle en est morte. Sainte Agathe a refusé d'épouser le roi parce qu'elle avait réservé sa virginité à Jésus, pour Jésus. Et maintenant, le roi la convoitait et l'obligeait à l'épouser. Et Sainte Agathe a refusé et le roi a fait couper ses seins. Et elle est morte de ses blessures. C'est cruel. Le monde est cruel. Quand tu veux te consacrer à Dieu, à Jésus, le monde trouve en cela une folie. N'est-ce pas? Donc une folie, comme quelque chose qui est inadmissible. Et les gens du monde sont même prêts à tuer. J'ai mon neveu il y a quelques jours, il a sauvé un enfant, un jeune, qu'on brûlait, soi-disant qu'il était bandit. Donc toute personne qu'on attrape par la nuit maintenant, avec une certaine charge, si tu ne fais pas attention, on va te tarsé de banditisme. Alors il en est venu devant sa porte cherchant à brûler ce jeune homme. Et il était dans sa chambre et on l'a torturé. Mais comme il avait peur de sortir, il a appelé le 113. Personne n'a répondu. Sauf que vers 21h, il a entendu un cri de détresse de ce jeune homme. Il dit, ne me tuez pas, ne me brûlez pas, je ne suis pas un bandit. Et il s'est senti interpellé et il est sorti. Quand il est sorti, on avait mis le feu sur le jeune homme. Donc c'est dans le feu qu'il criait en fait. Et comme il est aussi un peu fort, il a pu bousculer ceux qui le poussaient, qui le brûlaient, et il les a mis de côté et il a puiser l'eau pour verser sur le garçon. Il a versé, il a ramassé la terre, tout autour, il a versé sur lui et le feu s'est éteint. Quand le feu s'est éteint, le garçon, heureusement, était encore conscient. Il a demandé le numéro de ses parents. Et quand il demande le numéro de ses parents, il appelle ses parents, sa mère et son père. Ils sont venus. Et en appelant, les gens qui le brûlaient ont même arraché son téléphone. Mais comme il est fort, il est un peu fort, il a réussi à les poursuivre et arracher lui aussi son téléphone. Et quand les gens ont arraché le téléphone pendant qu'il appelait, ils ont commencé à demander la rançon. Avant de venir ici, hein, il faut apporter de l'argent pour acheter la tête de votre enfant. Ils menacent la famille que si vous venez ici avec la police, nous allons engager la guerre. Donc quand ils sont arrivés, quelques temps après, puisqu'ils savaient que mon petit neveu était fort, il les a bousculés comme il est costaud, ils ont fui. Mais ils avaient déjà demandé le renfort. Trois autres personnes sont venues avec trois motos pour le maîtriser. Comme il a maîtrisé le cas, ils étaient huit. Maintenant,
les gens, les parents viennent plutôt. Et ils aident même les parents à mettre l'enfant dans la voiture. Et la voiture a été même tombée en panne. Ils poussent pour que la voiture démarre avec les autres personnes qui étaient sur place. Les parents partent et écrivent la plainte contre lui. Jusqu'à ce qu'on vienne le prendre pour mettre en scène. L'honnêteté est un délit dans ce monde. Et on vient le prendre pour mettre en scène. Celui qui a sauvé votre enfant. Et quand j'appelle cette maman, elle se met à m'insulter. Heureusement qu'il y avait les voisins qui étaient témoins. Et ils ont témoigné. Et le garçon même qui est à l'hôpital régional a dit, c'est celui-là qui m'a versé l'eau pour me sauver. Sinon, ses parents avaient déjà mis l'enfant en prison. Vous voyez, dans ce monde, c'est surtout dans notre pays aujourd'hui, il faut faire très attention, très attention. Il a appelé la police n'a pas répondu. Et ici, vous voyez quel risque il prenait lui-même. On pouvait se retourner contre lui et le tuer. Mais maintenant, il finit par la prison, par la cellule, tentative de meurtre. Lui qui sauve, il devient... Chers frères et sœurs en Christ, nous devons apprendre à dire non. Nous devons apprendre à dire non à ce genre de choses dans notre pays. Ça va de mal en pis parce que nous ne disons pas non. Les chrétiens sont les martyrs. Ils doivent donner leur vie pour la vérité. Hein. Il y a certains séminaristes avec qui je discutais hier. Ils disaient, mon père, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave parce que nous ne jouons pas notre rôle de chrétien. Non. C'est parce que nous ne jouons pas notre rôle de chrétien. Nous avons peur. Si Sainte Agathe avait peur, est-ce qu'on parlerait d'elle aujourd'hui? On parle d'elle parce qu'elle a eu le courage de dire non aux choses qui ne sont pas bonnes. Nous n'allons pas couvrir le péché et vivre dans le péché. Notre pays va très mal, il faut le dire. Mais pourtant, dans ce pays, même le président est chrétien. Et nous, les chrétiens, nous subissons. Nous ne disons pas non. Oui, en commençant même par nous, les prêtres. Hein? On pouvait dire non aux choses. On se constitue. On dit non, ça ne va pas aller comme ça. Et on se ferme dessus. Et ça n'avance plus. On va nous prendre ici là comme des cobayes, vous allez voir. On fait de nous ce qu'on veut. On augmente le carburant, oui. On dit, mais monsieur le président de la République est tendre. Il est bien. Parce qu'il a augmenté le carburant. Du n'importe quoi. On est devenu quoi au Cameroun là? Hein? On applaudit même pour les bêtises. Pardon, asseyons-nous et réfléchissons encore. La parole de Dieu qu'on nous donne là, c'est pour ouvrir notre esprit. Mais on est devenu des moutons. Regardez ce qui se dit. C'est grâce à la détermination du président de la République que je ne sais même pas si c'est logique, hein, qu'on a augmenté le carburant, qui tient compte de la population. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. On dit des choses insensées qui ne tiennent même pas. On raconte quoi là? Apprenons à dire non, comme Sainte Agathe. Prions pour que nous ayons le courage de dire non. Et quand nous disons non, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne veut pas le mal, mais qui est venu pour le bien, pour aimer et non pas pour haïr. Sainte Agathe meurt au nom de cette vérité. Et nous aussi, dans nos familles, comme dans notre quartier, comme dans notre paroisse, acceptons de dire non pour la vérité, pour lutter pour la vérité. Oui, soit Jésus-Christ. Amen.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Agathe. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyr. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Sainte Agathe, en répandant son sang, son propre sang, comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lantikene et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, sur ceux qui comptent sur nos prières, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, Carissa, Franck, Martial, Nestor, Brice, sur les malades, sur tous les chrétiens, afin qu'ils aient le courage de témoigner de leur foi au milieu de ce monde. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Sainte Agathe, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
L'agneau qui se tient au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. Sainte Agathe, Sainte Agathe, Sainte Agathe, achevons notre prière. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Agathe d'être couronnée parmi les saints au double titre de vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour supporter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rappelons aux jeunes le service qu'ils ont accepté hier, celui de nettoyer l'église ce soir, pour accueillir les prêtres, la réunion des prêtres de demain. Je continue à attendre les fidèles qui vont m'aider à accueillir les prêtres. Bonne journée à vous tous. Jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia.